Comment est-ce qu'un criminel génocidaire étranger rwandais Oyana Mboka ya Bato Oloba été yo osako convoqué dialogue intercongolais? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la politique de votre époque qui doit aujourd'hui être faite? Aujourd'hui, il faut que et ça les mots. Selon Yo. Moi, je suis allé à Goma en décembre 1996. Je suis commandant Hippo. Voilà, Azuna no Kombo ya Laurent, Kombo ya Kabila te, commandant Hippo. Très chères dames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Canal Africa reçoit encore le combattant de la liberté, Monsieur Jacques Matanda Mamboyo Kudiakubanza, le porte-parole de l'organisation Stop Congo Génocide. Aujourd'hui, nous allons aborder quelques questions de l'actualité de la vie politique dans la République démocratique du Congo. Et comme je vous l'ai dit, nous allons parler en lingala ou soit dans la langue de Molière. Nous aurons deux points. Le premier point sera, nous aborderons la question relative au dialogue intercongolais. Et le deuxième point, nous parlerons de la question relative à l'accord de Nice, le problème du traité de Nice que vous connaissez très bien, Oyo et Memi Banaya Congo, Nakati Yaba Bouskilade et tout et tout. Voilà, Monsieur Jacques Matanda, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jimmy Adjanga. Merci d'avoir accepté encore une fois Kokutana Bisonam Kwalelo Poto Solola Mambetali politique. Bisonde toko pesayo merci mingi toko pesa pe merci mingi na équipe Mobimba ya Canal Africa ndenge bo pesi biso opportunité lisusu ya ko s'exprimer na média na bino. Voilà, monsieur Jacques Matanda, le pouvoir en place à Kinshasa a convoqué un dialogue intercongolais. Qu'en pensez-vous? Tant que le pouvoir en place à Kinshasa, il faut préciser qui a convoqué à mon avis le pouvoir en place à Kinshasa. On a dit que réponse n'engage à la, on a dit que est longo bani. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila. Au moment et si quand on a qui pensa tout comme ayangoana, bolimbi sangai na bengai na ndenge oyo moté mananga elingi na bengai parce que c'est un criminel ce monsieur. Ce bonhomme, cet individu, à ta criminel, à ta génocidaire. Comment est-ce que yo criminel, génocidaire étranger, rwandais, oyana mboka ya bato, oloba ete yo osako convoqué dialogue intercongolais. Mais ce monsieur n'est pas congolais. Cet individu n'est pas congolais. C'est un criminel, un génocidaire reconnu comme tel par une des enquêtes de l'Organisation des Nations Unies, conduite par le rapporteur spécial Gareton, qui parle de lui sous son sobriquet de commandant Hippo. Donc, un génocidaire, un sanguinaire, étranger, en séjour illégal dans notre pays, va devoir là venir dire non, il va convoquer un dialogue national intercongolais. Mais ça n'a pas de raison d'être. Ce qui est grave dans cette affaire, ce qui est très grave dans cette affaire, c'est de voir comment certains politiciens congolais sont en train de se décarcasser, vraiment de se tordre comme des petits diables dans un bénitier, pour voir un peu comment être partie prenante à ce prétendu dialogue intercongolais que prétend pouvoir organiser un étranger. Un criminel, un sanguinaire, un bourreau du peuple congolais. Le boucher du peuple congolais. Voilà un peu comment je peux répondre à votre question, cher frère Adjanga, pour dire que, en fait, ce dialogue intercongolais n'a pas de raison d'être. Nous ne serons jamais partie prenante à cela. Et nous ferons tout pour aller jusqu'au bout de ce que nous planifions de faire pour provoquer une insurrection populaire qui pourra alors, après, déboucher sur un véritable dialogue intercongolais.
Voilà, Monsieur Jacques Matanda, je vous rappelle que vous êtes un ancien politicien, un ancien vice-président de la Commission des assassinats et de violations des droits de l'homme à la Conférence nationale sur le Batignon Soubayebi. Namarambo Etali dialogue parce que ce qui totalise dans la politique d'avant, bah, tant où il y a chef de l'État congolais, il y a eu des dialogues. C'est quoi Penza en tant que bah, ancien politicien dans ce dialogue intercongolais. Omoni, ce qui tozonga na logique, il y a ba oyo bazo le balisolo ya dialogue oyo toza oyo bazo betango lisolo lelo. Mais ce qui te yo ki malamu na ba élection na bango ba sala ki balobi ete ba uti ko gagner ba élection. Donc, ce qui baza sûr que ba uti ko gagner ba élection, c'est-à-dire que peuple a pesi bango mandat. Baza na besoin ko organiser ba dialogue te. Ba sala o baza nango pour ça ko sala biso pe pa na biso ndenge to lobi to sala nyonso to luka ba stratégie nyonso to ko luka to créer ba condition e ko sala ete peuple congolais à ça ndenge zo sala malelo na Égypte na ndenge sala magi na Tunisie ndenge sala na Syrie que peuple a se soulever to créer ba condition wana pour peuple a se soulever. Donc le lendemain des c'est comme les lots tout le monde en France nani François Hollande ou bien en États-Unis Obama Lobano n'a gagné qui l'élection mais na moni que moyen zate boya to sala dialogue non bazana majorité na bango na ba élection na bango ba gagné qui ndenge bango bazo loba mais ba continuer. Donc, et là, comme mon continue à dialogue, et puis dans le lobby, tout à l'heure, nous ne pouvons pas accepter dans le Congo que Yomoto, au bomi de la population congolaise, rapport il y a Nations Unies et Zako Lobayango. Mais ce que les Congolais ne comprennent pas, Maël Nabissou Zawapi. Un rapport d'enquête il y a Nations Unies, le lobby commandant Hippo, et moi je vous dis, moi dans mon balieu, je suis na Goma, na décembre 1996. Basa ko benga ye commandant Hippo. Wana azuna no kombo ya Laurent, kombo ya Kabila te. Commandant Hippo. Voilà, les accords de Nice, to bengina kombo ya traité de Nice, lelo ezali ko tia un grand débat dans le milieu ya diaspora que vous êtes. Que pensez-vous de cet accord de Nice? Oyebi ezali kambo ya mboka. Donc, Congolais nyoso esika oya zali akoluka moyen ya komema ba solution po ete lobby kuna epai na biso na mboka Congo makambo ekoka kokende na ndenge elongo bami po na bien ya peuple. Et ba oyo bazwaki idée ya kokende na ba négociation oyo suki na oyo tobengi ba accord ya Nice. Bazala qui certainement na kanisi quelque part na idée te bako kako mema contribution moko positif na oyo ko sale malobi pe basala ki oyo bakanisa ki ete ebonga ki basala. Mais le problème c'est quoi? Tango sikoyo bango basali yango et que élément wana eza sikoyo porté à la connaissance ya ba congolais nyonso, il faudrait sikoyo ko reconnaître na ba congolais le droit y a quoi apprécier ce qui va corwana eza malamu pour intérêt ya mboka ou bien eza malamu te. Donc ndenge yo lobiona que makambo ya ba accord ya Nice et créer problème dans milieu ba congolais, je ne pense pas que ekoki ko créer problème dans milieu ba congolais et singeli sikoyo que ba oyo ba kené ko signer ba corwana ba koka ko pesa biyano oyo esengeli et pesama na ba question na mituna oyo bana mboka Congo baza nango. Parce que ce qui baloba ki te ba ke na ko signer ba accord wana lokola ba privé donc baza na projet na bango ya privé ya bango ya privé tali bango po ba ko signer ba accord eza différent baza libre ko sala oyo esengeli po na bango ba individu ba personne privée. Mais eloko tomoni na kati ya accord oyo bango ba ke ko signer ba accord oyo na kombo ya l'état na kombo ya mboka alors que ils n'ont aucun mandat de l'état, aucun mandat du peuple congolais les habilitant à agir en lieu et place ya peuple congolais. Omoni place wanande likambango ezama muke ekomi très dangereux bozana non na pouvoir te
yango tozo lo baete oyo bango basali ezali tout à fait lokola ba oyo bato ya AFDL basalaki tango bato ya AFDL bazakoya ba signer ba document na bango balobi ete bango baza ba propriétaire ya sol na ya sous-sol congolais et que bakoki ko aliéner yango ko kaba yango ko signer yango ba corps alors qu'à ce moment-là AFDL a joué le pouvoir té bazana na na lemera peto moni awa bato yo bake ko signer ba corps ya nini ya Nice na combo ya l'état mais baza jamais na mandat public bazu jamais mandat ya peuple congolais pour na ko signer ba corps en lieu et place ya peuple congolais. Et là, vraiment, na ibisibino, eza problème moko, vraiment, na lobango na bosolo na ngai, extrêmement grave. Na lobi bien, extrêmement grave. Eza escroquerie, mounene, et on ne peut pas se taire et ne pas poser ce problème-là sur la place publique, que débat mounene et salema, pour na koye ba, qu'est-ce qu'il y a eu dans cette affaire, ya ba akor ya Nice. Parce que, moutou, a komina na pouvoir te, aza ko kende, ko signé ba corps ya ndenge oyo to moni na ba corps ya Nice ko aliéner un bien public sans avoir le mandat du peuple mais mutu batu oyo soki lui ba komi na pouvoir et ko za ndenge nini donc esengeli to clarifier situation wana avant que to avancer na ba échéance mususu donc voilà mon muke ndeko Jimmy Adjanga en guise d'introduction et réponse à question na yo na kalisi na opesa ba précision mususu so za na mituna ya kolandisa voilà Monsieur Jacques Matanda Mamboyo Kudiakubanza, je vous rappelle que vous êtes l'ancien président de la commission de stratégie de l'Union sacrée de l'opposition radicale. 34 années d'engagement dans l'opposition congolaise. Ma question est celle-ci. En tant qu'homme politique, vous êtes un ancien dans la politique. Donc, Lingolobake, politique, Penza, Omesanya Makasi. Et logo nini, Oyo. Et si on a marché dans la politique, il y a une époque où il faut marcher. Le il faut y marcher. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la politique de votre époque qui doit aujourd'hui être faite ou aujourd'hui, il faut que et ça l'est selon Yo. Nakanisi était et loco Oyo est important ou est salamina en Mboka na bisoté, est mingi et pas ba politicien congolais. Et nakanisi Patrice Emery Lumumba alobaki yango na sanza ya août 1960 tango wa kobina mikakatano makasi Patrice Lumumba a dénoncé qui justement ba politicien congolais et Patrice Lumumba alobi yango bana ba on la français dans ngami ko lobango parce que ça très important alobi à chaque fois qu'il est donné aux politiciens congolais de choisir entre d'une part leurs intérêts matériels et financiers et d'autre part les intérêts du peuple, les politiciens congolais ont toujours privilégié leurs intérêts immédiats. Na lingala tolobi boy. Patrice, na bien on a août 1960, wana babomi na noté. Alobi tango nyoso et komaka ete ba politicien ya Congo ba pona soit ba intérêt na bango ya mbongo na ya bomengo ou bien ba intérêt à peuple Patrice Lumumba mais ba politicien congolais ba ponaka toujours ba intérêt na bango kaka ya sika ya bango kaka ya peuple ba kipaka ngote donc pona ngai eloko o eza makasi o eza ko boma mboka na biso o yesengeli ete to vandela ngo makasi eza ete to koka ko changer classe politique ya Congo parce que ba politicien congolais oyo ndenge toza lelo oyo depuis 1960 ti lelo to tia ka liboso kaka ba intérêt o ya biso ba politicien mbongo bomengo ba voiture ba ndako ko bala basi ko somba bilamba ko bebisa mbongo ko sakana mbongo et loko moko te pona peuple tala lelo ndenge peuple na komi yango to lobi ete po ete mbongwama esala na mboka il faudrait que changement oyo et à la conduite par peuple ndenge toza ko mona na ba mboka mususu ce qui to tikika ka ba politicien ba kende na ba dialogue intercongolais na bango ba kende na ba négociation na bango que peuple na libanda asala tendenga sala ki le 4 janvier 1959 tango atombo kaka donc il faut que insurrection populaire wana e ko ka ko discipliner ba politicien
Tant que peuple a discipliné les politiciens, le peuple a continué à communiquer. Donc, dans mon tour, et loko o esalema nanote o esengeli esalema po esala na ndenge ete mboka ekende malamu po na ba intérêt à peuple esengeli que siko yo peuple ye moko a tranché makambo ezala te na ba élection lokuta lokuta ni bazo sala lelo kokotsa ba bulletin de vote non que peuple abima na balabala ndenge tomoni na ba mboka nyonso tomoni au même na États-Unis oyo na États-Unis tango ba sali révolution contre Bah, comme les États-Unis, il y a un seul télé, les États-Unis, comme il y a un malonga. Tout le monde est en bas d'Égypte, tout le monde est en bas de Bélé. Donc, tout le monde est responsabilité, il y a un politicien congolais, il y a une élite intellectuelle congolais, où il y a un corrompu, il y a un vendu. Donc, pour avoir un intérêt à peuple, il y a un locomoteur dans le monde. Donc le gros problème il y a Congo et ça nanoana. Boko kabat bazolo ba o ba étranger. Ah parce que le Congo est riche, parce que non. Wana za ba détail, la cause principale il y a pas surtout ça nango lelo, les ba politiciens congolais na ba élite intellectuelle congolais. Pour na bango et loko yo bango ba tiaka liboso et ça intérêt na bango ya nzoto na ye, ya ye moko nzoto na ye. Et même ba intérêt à bana na bango ba ki parango penza ndenga na te même intérêt à basi na bango ba ki parango penza te voilà. Donc problème penza na kanisi il faut que tu accepte esa place wana na mukuse jugement ni nous a comporté sur la classe politique actuelle yango na lobby, c'est-à-dire que classe politique actuelle to esa classe politique moko médiocre, classe politique moko médiocre. Et je dis problème o to za nango lelo na mboka Congo. Le problème de la Congo est que le problème est la cause principale. Et ça, c'est que le pays étranger. Et ça, c'est que le la médiocrité, corruption, et ça, caractériser la classe politique. Voilà, monsieur Jacques Matanda, le lot ce qui est totalement dans la Mboka, le Kola et le Soudan, ils allaient diviser à cause des problèmes politiques au Congo, ils allaient faire face. Croyez-vous ou pensez-vous que le Congo est à subir le même cas que le Soudan? Le problème il y a au Soudan, ce n'est pas le peuple, le problème il y a au Soudan plutôt dans la Bandela, ils allaient peuple soudanais, Motoalinga qui était Mboka et Kabwana. Peuple soudanais motolinga qui mboke kabwana entre ba population animiste ya sud na ba population musulmane ya nord. Donc culturellement ndenge na bango ya ko vivre ndenge na bango ya ko zala ba injustice entre peuple population musulmane ya nord na ba population noire animiste ya sud, vraiment ba injustice là qui vraiment crasant. Donc comme peuple ils ont demandé cela, mais na kaya Congo nulle part on va te dire que peuple ya Congo est pas iboyé bango balingi boyé. Ça n'existe pas moto ko santé. Si le peuple congolais alinga kite Congo et Kabwana, mais Congo et Kabwana déjà na ba 1960 tango ezu indépendance, tango ba belge ba kena Katanga ba proclamer indépendance na ba proclamer sécession ya Katanga. Pas sécession ya Katanga ba tie kiyango na moto ya Chombe kaka Pamba. Mutu penza a proclamer kaki sécession ya Katanga ezaki ba belge o bazala kuna na Katanga. Et ce moment ba incident nyonso et même ata lelo banda ba occupation rwandaise et salami o ba ko tira biso ekeko oyo ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila le génocidaire o ba ko tira biso ekeko oyo à la tête ya mboka, jamais oyo ki était même peuple ya Kivu alingi abima na mboka, peuple ya province orientale alingi akata mboka, peuple ya Équateur non. Ba idée oyo eza ba idée ya bato ya libanda bazolinga ba kotisango na kati ya Congo, mais ba kolonga te parce que peuple congolais alingi bo moko na ye alingi tika la peuple congolais ndenga zali. Donc division ya Congo c'est eza na moto ya bato oyo balingi bazungu c'est la esclavage na peuple congolais. Nga nazali awa mama nanga za moto ya province ya Équateur, moto ya province orientale, papa nanga aza moto ya Bandundu. Lelo bango na baide na bango ba kata na okoma moto ya wapi? Non. Bien, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Jacques Matanda, un mot de la fin à tous ceux qui vous suivent en ce moment à travers Canal Africa. Je pense que Lelo
Ezam Balami Balé, tous en la tribune à Canal Africa. Nakanisi, tous en consacré, tous en vraiment présent chaque semaine. Na compte il y a Stop Congo Génocide. Tous en vraiment présent chaque semaine na Canal Africa. Donc, ba oyo, ba kolinga, ba zwaka biso. Nakanisi, Canal Africa, vous en a page. Moko Stop Congo Génocide et n'a pas joué à Stop Congo Génocide une fois par semaine. Moko le haut et bon, bah, de toute façon, ils allaient placer les cas régulièrement. Tous à la wana, ils ont dengue faveur Moko Mounene, faveur Moko Mounene, Petosengi, Totondi et Botondi, na ndeko Jimmy Adjanga, n'a accordé biso que tout Kourako Kabola, baide tous à la wana peuple, n'a bateau bada intéressé, na Makambo ya Mboka Congo. Donc, on a ainsi mot de la fin d'Angaï Kozalawana pour dire que pour aujourd'hui, ce n'est qu'un au revoir. On a ainsi posé Zoya, beaucoup de monde sur Bissot Awa, tout dans un message Moussousou, tout dans un chaque semaine, Nakatia Radio Canal Africa. Peto Pesio, merci Mingi, de ko Jimmy Adjanga, pour na Moussala Nyoso, ça dans le cadre de la média, pour nous aussi, ça passe Oyo, surtout conscientisation. Qu'on combattre ignorance parce que lokoso bo mabiso mingi na Congo za ignorance ko zanga koyeba eza liwa ya ndambo peto moni na liwa ya ndambo wana plus de 10 millions basi bakufi donc to ya ko lutter na ndeko Jimmy Adjanga contre cette ignorance na ngi to distribuer information. Encore une fois, merci. Voilà Canal Africa sur votre poste téléviseur, Canal Africa sur votre PC, partout où vous êtes, vous avez Canal Africa avec vous. En direct de Baltimore. Merci bien. On se retrouve à la prochaine.